Bonjour, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je vais essayer de relooker mon dessous de plat. Et pour ça, donc, on va essayer de faire un plateau. C'est parti! Alors, il me reste des brochettes de bois que j'avais utilisées dans ma dernière vidéo. Donc, ce qu'on va faire en premier temps, c'est que je vais les coller pour avoir déjà le dessous. Donc ensuite, je prends un outil coupant. Donc ici, j'aurais dû commencer. Voilà. Et là, donc, je commence à couper déjà. Ensuite, donc, je continue l'autre côté. Alors ensuite, quand mon plateau il est épais, donc j'aime pas qu'on voit la finition là, tout marron. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du raffia aussi tout autour pour avoir la même couleur. J'ai des anneaux de rideau. Ce que je vais faire, c'est qu'avec du raffia, donc je vais passer le raffia tout autour de l'anneau. Voilà, donc j'ai fait mes anneaux. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va les coller autour du fond. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre du raffia autour des côtés. Je vais voir si c'est pas solide, j'en mettrai. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé mon plateau, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la déco pour l'intérieur. Alors ensuite, j'ai juste un pot de confiture. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du raffia au niveau du bas. Je les colle. Donc je vais en coller tout autour du pot. Alors j'ai mis 16 fils de raffia. Alors ce que je fais ensuite, c'est que je le retourne et je vais le coller donc au niveau ici. Ce qu'on va faire pour la finition ici, donc je mets du raffia ici tout autour. Je vais en mettre aussi un petit peu à l'intérieur. Je veux que ça soit joli, sans me brûler.